caché sera révélé au grand jour, au grand jour. Yeah. Ce qu'ils ont manigancé contre toi est censé faire. Le complot contre toi seront dévoilés. Le piège qui vont tendre vont les engloutir. Merci. Au nom de Jésus. Parce que tu as toujours été là, parce que ton nom est grand, ton nom est autorité. Seigneur, avant les temps, tu avais déjà prédestiné ce qui nous arrive maintenant. Mais une chose est de t'accrocher, Seigneur, à toi seul. Parce que nous savons que, quel que soit le temps, Seigneur, tu béniras toujours le juste, celui qui demeure dans ta présence. C'est pour cela, Seigneur, ma foi est grande pour toi. Père, quelle que soit la situation que nous traversons, quels que soient les pleurs, quelles que soient les humiliations, quelles que soient les accusations, quel que soit le rejet, tu demeureras toujours Dieu dans nos vies. Père, reçois ce matin cette offrande d'adoration. Sois élevé et sois glorifié. Viens maintenant prendre ta place de roi, ta place de souverain sacrificateur, ta place de Père pour contempler ton peuple, pour les bénir, pour les élever. Seigneur, je m'efface, mais que toi seul, Père, sois là à ma place pour dire ce que tu attends réellement ce jour-là, Père, pour tes enfants. Ils sont venus ce matin nombreux à écouter ta parole, à t'écouter, Seigneur. Que veux-tu leur dire? Toi seul, Père, à la parole. Toi seul, Seigneur, à le pouvoir, Seigneur, de faire toutes choses en ta faveur, Seigneur, en ta façon, ô Christ roi. Père, je bénis ton nom ce matin. Je te rends toute la gloire. Que cette maison que tu nous as donnée soit scellée dans ton précieux sang, afin que quiconque, Seigneur, s'oppose à ta parole soit lié ce matin. Soit lié ce matin. Soit condamné ce matin. Soit maudit ce matin. Soit chassé d'ici, Père. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, quel que soit Alpha, nous prêcherons l'évangile. Quel que soit, Seigneur, l'Oméga, tu béniras toujours ton Église. Parce que tu es Dieu. Tu as dit, va, dis-leur que je m'appelle Jésus. Seigneur, tu n'as pas encore changé. Tu es toujours le même. Tu as été hier, tu es aujourd'hui et éternellement. C'est pour cela que je t'appelle Jéhovah Shabbat. C'est pour cela que je t'appelle Jéhovah Shikenu. C'est pour cela que je t'appelle Jéhovah Shabbat. C'est pour cela que je t'appelle Gilles, le Père, le Dieu Tout-Puissant. Jésus, sois élevé. Je t'aime, Papa. Merci, Seigneur. Amen. Est-ce que tu peux dire Amen ce matin? Alléluia. Gloire à Jésus. Dis à ton voisin, de l'épreuve au témoignage. Des pleurs au témoignage. De la souffrance au témoignage. Alléluia. Frère, nous avons compris une chose. Rien de bon ne peut sortir de toi si tu n'es pas passé par le sacrifice. Alléluia. Frère, il n'y a pas d'élévation sans douleur. Tu ne peux pas dire que je suis enfant de Dieu sans passer par un test qui va t'amener à un témoignage. Alléluia. Il y a des situations qui nous arrivent des fois. Et nous avons tendance à regarder à la situation. Mais ce que Dieu est en train de te faire connaître, il est en train de te prouver pour qu'il te donne un enseignement afin que le futur soit meilleur. Alléluia. Et je vais dire à un enfant de Dieu, ce que tu vis là vient de Dieu. Amen. Ce que tu vis vient de Dieu afin que tu rendes témoignage. Et que celui-là qui ne l'a point connu reconnaisse que le Dieu, il est vraiment réel en toi. Amen, amen. Pour appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Gloire à Jésus. Nous allons lire un peu la parole. Amen. Psaume 30, versets 6 à 7. Je lis la parole de Dieu. En Psaume 30, verset 6. Oui. Car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. Amen. Regardez un peu quelque chose. La Bible dit, Dieu, la colère c'est quoi? C'est la situation. Amen, amen. La colère c'est les épreuves. C'est la douleur. C'est l'adversité. C'est le combat que tu mènes tous les jours. Alléluia. Donc vous comprenez que Dieu nous dit ce matin, il dit la colère dure un instant. Amen. Donc vous voyez, des vents peuvent souffler. Des situations peuvent se lever dans ta vie. Mais la Bible dit, ça dure un instant. Mais une chose est importante.
Ce qui m'importe ce matin, c'est que sa grâce toute la vie. Alléluia. Dis ce matin, sa grâce est sur moi. Et elle dure toute la vie. Alléluia. Frère, il faut comprendre qu'avant de porter la couronne, avant de porter l'alliance du mariage, il faille quelque part que tu portes forcément ta croix. Alléluia. En fonction de la situation ou en fonction du pas que tu veux faire vers l'élévation, il y a aussi une conséquence. Il y a aussi une colère. Alléluia. La colère, c'est une situation qui est en face de toi. La colère, c'est les épreuves. La colère, c'est tout ce que tu vis. Mais Dieu me charge. Il dit, mets sa grâce toute la vie. Le soir, tu peux pleurer. Mais il dit ce soir, il dit ce matin, il dit le matin. Alléluia. Le matin, c'est l'allégresse. Amen, amen. Frère, ne pense pas que parce que tu pleures maintenant, tu vas rester éternellement dans cette situation-là. Non, c'est faux. Dis à quelqu'un, c'est faux. Dis à quelqu'un encore, c'est faux. Dis à quelqu'un, c'est faux. Dis à quelqu'un encore, c'est faux. Alléluia. Gloire à Jésus. Frère, pour faire un progrès dans ta vie, il te faut payer forcément un prix. Il n'y a pas de progrès sans prix. Où est la valeur de Dieu dans ta vie? Alléluia. Les épreuves d'un enfant de Dieu est un examen divin. Amen. Parce qu'on ne te voit pas marié, alors on se moque de toi. Et toi, tu tombes dedans, tu pleures tous les jours. Je suis allé à une réunion. À cette réunion, on m'a dit que moi, je suis célibataire. Je vais demeurer célibataire. Qui a dit ça? Amen. Je suis allé à une rencontre. On dit ceux qui travaillent à droite, ceux qui ne travaillent pas à gauche, j'ai été frustré. Dans moi, je viens, c'est fini. Moi, j'abandonne tout. Qui a dit ça? Alléluia. Oui, parce que je ne travaille plus. Parce que je n'ai plus de revenus. Parce que. Alors, il faut que moi j'abandonne la main de Dieu pour faire autre chose. Qui vous a dit ça? La Bible est en train de t'enseigner ce matin. La Bible dit que la colère de Dieu tue un instant, mais sa grâce toute ta vie. Le soir peut arriver avec des pleurs, mais le matin, tu te réjouiras. Alléluia! Et je vais dire à un enfant de Dieu ce matin, je ne sais pas ce que tu vis. Je ne connais pas l'état de ton cœur. Mais je sais une chose. Tu te réjouis maintenant. Tu te réjouis maintenant. Il dit, le matin est un moment de réjouissance. Alléluia. Frère, les épreuves pour un enfant de Dieu, comme je l'ai dit, c'est un moment d'examen. Un examen divin afin d'aller à l'exaltation. Afin d'aller au témoignage. Afin d'aller à la victoire. Alléluia. Frère, tant que l'ennemi, tant que ton adversaire, tu ne lui mets pas une barrière. Tu lui dis, ça suffit. Aujourd'hui, là, c'est stop. Ils ne vont pas te lâcher. Alléluia. Frère, des situations se passent. Mais on pleure. On regarde à la situation. On se dit, mais où? Non, bien-aimé, tu es chrétien. Où est la valeur de Dieu en toi? Si tu ne peux pas fléchir genoux pour parler à Dieu, ignorer la situation. Parce que la situation est là. On dit c'est célibataire. Ou on dit il y a la pauvreté. Ou tu ne travailles pas. D'accord. C'est une situation. Mais qui crée la situation? C'est d'abord Dieu. Parce qu'il a permis qu'il y ait le méchant. C'est parce que Dieu a permis qu'il y ait le méchant qu'il y ait l'adversité. S'il n'y a pas d'adversité, il n'y a pas de preuve. C'est parce que le malin est là. Le malin, quand les enfants de Dieu arrivent, le malin aussi vient. Et quand il vient, c'est pour t'empêcher d'atteindre le sommet que Dieu a prévu pour toi. Donc au moment où il fait son plan, toi tu regardes au Créateur de toutes choses. Frère, tant que ta vie n'est pas entre les mains du Créateur, tout ce que tu peux lutter toi-même, fais des efforts, tu perds du temps. Mais ce sera inutile parce que finalement, tu n'as rien compris parce que Dieu, il verra en toi Job. Job qui a pris sa propre personne pour dire comme moi j'aime Dieu, alors à chaque fois quand mon enfant va commettre un péché, moi-même je vais immoler un animal pour que le péché là soit effacé. Mais Dieu dit, non, personne ne prendra ma gloire. Parce que la gloire, elle me revient à moi seul.
frère, tant que ta situation, tu ne la déposes pas entre les mains de Dieu, il ne peut pas te montrer le chemin. Alléluia. Le chemin que tu dois emprunter, la voie que tu dois emprunter, se trouve entre les mains de Dieu. Il est le créateur par excellence de toutes choses. Voilà Jésus. Beaucoup se lamentent. Beaucoup pleurent. On pleure face à la situation. La situation là, tu te lamentes. Mais Dieu dit, mais ils n'ont rien compris. Alléluia. C'est pour cela que je vais encourager ce matin l'enfant de Dieu. La Bible me dit ce matin que sa grâce dure toute la vie. Le soir peut arriver, tu peux pleurer. Mais le matin, avant même que minuit ne sonne. Ah, alléluia. C'est-à-dire à 23h59, à partir de minuit, c'est le matin déjà. Alléluia. Tu seras dans l'allégresse. Oh, je vais te déclarer dans ta vie ce matin. Tu reçois la grâce de Dieu. La Bible dit la colère peut venir un instant. Mais la grâce, elle demeure. Elle demeure dans ta vie ce matin. Reçois la grâce ce matin. Je ne sais pas ce que tu vis, mais je prophétise ce matin que tout ce qui était barrière, tout ce qui était opposition, tout ce qui était sorcellerie, tout ce qui t'empêchait de rentrer dans ton mariage, tout ce qui t'empêchait de rentrer dans ta grâce, hey, le Seigneur débloque cela ce matin. Reçois la faveur de Dieu ce matin. Reçois la grâce de Dieu ce matin. Reçois-la ce matin en abondance. Au nom de... Alléluia. Je peux vous expliquer une seule vérité, frère. Vous savez, tout ce que nous vivons, il y a forcément un secret. Amen, amen. Tout ce que nous traversons, il y a un secret. La force est la clé qui peut nous amener à pouvoir dominer tout ce que nous traversons, c'est la sagesse. Amen, amen. La clé et la force qui t'amène à dominer ce qui t'oppresse, c'est la sagesse. Et cette sagesse-là, elle est en Dieu. T'appuyer sur la sagesse de Dieu. Seigneur, voici la situation. Toi, tu dis quoi? Des fois, tu es là, tu ne sais même pas pourquoi tu parles ainsi. C'est parce que Dieu t'a communiqué quelque chose. Parce que quand tu lui as posé la question, lui aussi, il a fait des analyses. Maintenant, il va te répondre. Et quand il te répond, et quand tu dis, tu sors la parole, elle est juste. Alléluia. Elle n'est forcément pas acceptée par tout le monde. Mais elle est juste pour Dieu. À partir du moment où elle est juste pour Dieu, Dieu s'en fout du reste. Alléluia. Frère, il faut comprendre que une situation peut frapper à ta vie. Mais la situation quand elle arrive, elle te mène dans une école de formation. C'est vrai ou c'est pas vrai? Un enfant grandit, il acquiert de l'expérience quand il sort d'une école de formation. Dans les épreuves, les difficultés, l'adversité, c'est la formation. Quand tu es là, tu reçois le coup, tu ne parles pas. Alléluia. On t'humilie, tu ne parles pas. On t'accuse, tu ne parles pas. On te chasse, tu ne parles pas. Tu es là, tu ne parles pas. On dit, mais la personne, on fait tout, la personne ne parle pas. Qu'est-ce qui se passe? Frère, ce n'est rien d'autre que la sagesse de Dieu. Parce que Dieu t'a dit, dans toute situation, ne dis rien. Reste silencieux. Regarde Dieu. Tant que Dieu n'a rien fait, tant qu'il n'a rien dit, ne te lamente pas, ne te manifeste pas. Alléluia. C'est pour ça que la Bible dit dans le psaume 34, verset 20, le malheur atteint le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Frère, je ne sais pas quel malheur te suit. Et le Seigneur me dit ce matin, quel que soit le malheur de ta vie, quelle que soit la malédiction que les bouches ont proclamée sur ta vie, Dieu me dit ce matin qu'il te délivre de cette mal. Il dit, te délivre de cette malédiction. Alléluia. Amen, amen. Il dit, je ne sais pas quelle est la barrière. Je ne sais pas pourquoi tu pleures tous les jours. Pourquoi tu t'inquiètes. Pourquoi ton cœur bat si fort. Alléluia. Mais il dit une chose. Le malheur atteint le juste. Mais le juste est toujours sauvé par l'Éternel. Alléluia. Et ce matin, il faut savoir une chose. Quand tu sortiras d'ici, marche comme un héros vainqueur. Marche comme un victorieux. Marche comme un victorieux.
Marche ce matin comme un victorieux. N'aie pas peur. Parce que le Seigneur a entendu ta voix. Il a entendu, il sait que tu pleures. Mais il dit ce matin, quel que soit ce que le malin va faire, mais lui Dieu, il est avec toi. Parce qu'il t'a vu, quand il t'a regardé, il t'a vu comme injuste. Et tu es juste aux yeux de Dieu ce matin. Alléluia. Dis Amen fort. Dis Amen fort. Frère, nous regardons aujourd'hui et nous lisons la Bible. Nous comprenons une chose. Quand je lis ma Bible, de Genèse à Apocalypse, je me rends compte que tous les succès qui ont couronné tous ces hommes de Dieu, ils ont d'abord traversé des situations extrêmement difficiles. Amen, amen. Frère, très souvent, ce qui nous chasse, ce qui nous éloigne de la face de Dieu, c'est les épreuves. La souffrance. Amen, amen. Nous avons vu comment Abraham a souffert. Nous avons vu comment Jacob a souffert. Alléluia. Mais est-ce que ça a empêché ce que Dieu a dit sur sa vie? Frère, Dieu a dit tu seras sauvé. Il a dit tu seras élevé. Est-ce que l'épreuve l'avait empêché cela? Amen. Ce que Dieu a dit, il le fait. Pourquoi tu t'inquiètes? On est dans l'abattement. On est dans la souffrance. On est dans le découragement. On est dans la peur. C'est comme Dieu, il a changé de visage. Son numéro de téléphone n'a pas encore changé. Alléluia. Gloire à Jésus. Son numéro de téléphone, c'est le Saint-Esprit. Il n'a pas encore changé. Dis Amen fort. Amen. Dès qu'il y a une situation. Même des fois, on entend le numéro de téléphone. Le pasteur vous appelle. On ne veut pas décrocher le pasteur. C'est comme c'est lui qui était à la base de ça. Frère, ce qui t'arrive là, ce n'est pas le pasteur. Non. Il y a deux situations. Le premier, c'est d'abord Dieu et toi-même. Et c'est après maintenant le pasteur qui vient. Quelle est ta position? Si ta position est juste devant Dieu, Dieu fera les choses justes avec toi. Puisqu'il a dit, il dit le malheur atteint souvent le juste, mais lui, l'Éternel, l'en délivre toujours. Cette parole-là, tu dois vivre avec ça. Frère, quelle est la situation que tu as cherchée? Aujourd'hui, tu te fais traverser une situation. Amen, amen. Amen, amen. Non. Ne t'inquiète pas, ne regarde pas la situation de l'autre pour prendre pour mettre sur toi. Non. Lui, il sait ce qu'il a fait. Il sait ce qu'il a semé. Regarde à ta position, à ta vie. Et regarde à Dieu. Alléluia. Le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Cette parole me plaît. Regardez. Donc je comprends qu'un lion peut sortir là. Ah, Seigneur, je ne sais pas où je vais fuir et puis le lion ne va pas m'attraper. Donc je suis là. Il dit, Seigneur, agis. Maintenant, si tu souhaites que ce jour-là, le lion m'emporte, c'est que tu l'as voulu. Amen. C'est que tu as un autre plan pour moi dans les cieux. Pourquoi je vais m'inquiéter? Ma fille, pourquoi tu t'inquiètes? Vous vous inquiétez pourquoi? Est-ce que ce Dieu-là a changé? Parce que Dieu, il a changé. Ton numéro de téléphone, c'est le Saint-Esprit. Tu as besoin de lui, compose le numéro du Saint-Esprit. Il viendra te parler. Il viendra t'enseigner toutes choses. Il va t'ouvrir les yeux et tu verras tout ce qui est caché. Mais la clé de la réussite, quand il t'a révélé ce qui est caché, c'est la sagesse. C'est comment tu le vis, comment tu le portes en toi, afin que ça porte des fruits. Galates 5, 22. Alléluia. C'est ce qui importe Dieu. Mes enfants, alléluia. Je veux parler à un cœur ce matin. Il n'a pas encore changé ce Dieu-là. Non. Dieu, il ne change pas, non. Il reste toujours invariable. Ce qu'il a dit, il le fera. Même si Satan attend. Si Satan, il cherche à communiquer avec toi à cause de ta position. Quand ta position changera et ça ira vers ce que Dieu souhaite, tu verras que la grâce descendra.
il n'y a rien. On ne peut pas attaquer la grâce de quelqu'un. Non, c'est faux, Nada. La grâce qui est sur toi, elle est inattaquable. Il n'y a personne sur cette terre qui peut attaquer la grâce de quelqu'un. On peut te copier, on peut te tricher, on peut vouloir faire comme toi, mais on ne fera jamais ce que tu fais. Maman bro, ce qui est en toi, c'est un don. Ce don, la personne ne peut l'attaquer. C'est ça la grâce. Alléluia. Les gens peuvent venir, on dit, je vais ressembler à maman bro. Ce qu'elle fait là, je vais faire aussi. Comment se fait-il qu'à peine elle est venue ici, elle commence à briller. Hey! Tout dépend de sa communion avec Dieu. Alléluia. Vous voyez, les gens très souvent, ce qui les fatigue, ce n'est rien d'autre que c'est la convoitise, ma fille confie. C'est la convoitise. Si aujourd'hui les gens sont autour de toi et puis on te regarde autrement, c'est parce qu'on convoite ce que tu as. Et ce que tu as ne sera jamais entre les mains. Parce que Dieu t'a regardé toi et c'est à toi qu'il a donné. On parle de donner, don, donner, don. Alléluia. C'est une grâce. Tu ne mérites pas cela, mais c'est à toi que Dieu a donné. Et personne ne peut reprendre. Alléluia. C'est pour cela que je vois les enfants de Dieu pleurer. Ils s'inquiètent, j'ai mal au cœur. Parce que vous n'avez pas compris. Parce que la parole de Dieu n'est pas avec vous. Si vous connaissez la parole, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Alléluia. Dieu dit, le malin atteint souvent le juste. Mais le Dieu, il est là, il regarde le malin. Il regarde le malin faire son malin. Tu dis, levez-vous un peu, dis aux gens là. Il dit, faites vos malins. Faites vos malins. Mais mon Père ne m'abandonnera jamais. Il me délivrera de votre hypocrisie, de votre méchanceté, de votre sorcellerie. Au nom de Jésus. Et ce matin, je suis dans sa grâce. Je suis dans sa grâce. Je suis marié. Au nom de Jésus. Je ne comprends pas. Aïe. On ne triche pas l'ancien. Hein? On ne touche pas l'ancien. Hein? L'ancien là. Il y a deux choses. Un, tu ne peux pas toucher. Deux, tu ne peux pas tricher. Tu peux faire Jean. Mais Jean là, c'est photocopie. Alléluia. Gloire à Jésus. Non, ce qui est en toi là. Dieu te l'a donné. Personne ne peut te l'a arraché. Pourquoi tu as peur? Pourquoi cette tribulation? Pourquoi ces inquiétudes? Alléluia. Ma fille, lis-moi Ésaïe 44. On va comprendre quelque chose tout à l'heure. Lisons Ésaïe 44, vous allez comprendre mieux. Aïe. Ésaïe 44, verset 1. Je lis la parole de Dieu. Oui. À Ésaïe 44, verset 1. Uh-huh. Écoute maintenant. Écoute maintenant. Oh Jacob. Mon serviteur. Oui. Ô Israël, que j'ai choisi. Ainsi parle l'Éternel qui t'a fait et qui t'a formé dès ta naissance. Oui. Celui qui est ton soutien, ne crains rien, mon serviteur Jacob, mon Israël que j'ai choisi. Car je répandrai des eaux sur le sol. Regardez un peu. Regardez. Regardez Dieu. Le car là, ça permet de faire une conjonction. La première idée, c'est qu'il a dit au commencement là-bas. Il dit, ainsi parle l'Éternel qui t'a fait. Et qui t'a formé dès ta naissance. Celui qui est ton soutien. Donc vous voyez que ce qui nous arrive aujourd'hui, ce que nous vivons là, Dieu le savait déjà. Amen. Amen. Non, est-ce que quelqu'un comprend la parole, cette parole ce matin? Frère, ce que tu vis aujourd'hui à l'instant T, et il y a pour toi une souffrance pour laquelle tu te plains, tu te lamentes, tu te tords. Regardez, écoutez Dieu, écoutez. Écoutez Dieu, ma fille, dis. Car je répandrai des eaux sur le sol. Car je répandrai des eaux sur le sol. Altéré. Oui. Et des ruisseaux. Et des ruisseaux sur la terre. Desséchés. Je répandrai mon esprit. Je répandrai mon esprit sur ta race. Et ma bénédiction. Et ma bénédiction sur tes rejetons. Hey, quelle grâce! Il dit, je répandrai mon esprit sur ta race. Vous voyez, des fois, des personnes sont maudites depuis la première génération jusqu'à la dernière. Et du coup, quelqu'un, Dieu prend dans cette famille-là une personne. Et à cause de toi seul, Dieu dit,
je répandrai mon esprit sur ta race et quoi? Ma bénédiction sur tes rejetons. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend cette parole-là ce matin? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce matin? Moi, quand j'ai lu ça, moi, j'ai dit, je n'ai plus peur. Je suis tranquille. Alléluia. Quand maman dit, j'ai dit, Zadie, tais-toi. Dieu a dit, même si nos parents avaient péché, même s'ils avaient tué, même s'ils avaient fait des choses méchantes, mais à cause de moi seul, il va faire quoi? Il va répandre quoi? Son esprit sur ma race. Sa race. Donc, à cause de moi, ma famille sera sauvée. Alléluia. Alléluia. Frère, quand à cause de toi, ta famille est sauvée, quand l'homme se lève et puis commence à taper leur poitrine, soi-disant, pour te proférer des malédictions, ça va passer où? Dis-moi, ça passera où? Dis, je suis élevé ce matin. Il n'y a aucune malédiction qui puisse atteindre ma vie. Au nom de Jésus. Continue ma lecture. Au verset 4. Ils pousseront comme au milieu de l'herbe, comme les seuls près des courants d'eau. Amen. Frère! Oui, tout le monde peut connaître la sécheresse. Tout le monde peut connaître les pleurs. Tout le monde peut connaître la pauvreté. Mais pas les enfants de Dieu. Amen. Regardez bien. Les vrais enfants de Dieu, ceux-là qui sont vraiment avec Dieu. Je n'ai pas dit un pied dedans, un pied dehors. Le matin, tu es Dieu. La nuit, tu es hibou. Je n'ai pas parlé de ça. Amen. Mais les vrais enfants de Dieu. Alléluia. Regardez ce que dit la Bible. Oui. Relis encore ma fille. Ils pousseront comme au milieu de l'herbe. Comme les saules. Qui pousse? Les enfants. Les enfants de Dieu, oui. Comme les saules près des courants d'eau. Ça veut dire que, tu vas voir que l'autre côté, à côté de ça veut dire ton voisin, lui n'a rien. Il pleure. Mais toi, c'est comment? Comme un courant d'eau. Est-ce que tu m'entends ce matin? Ah, papa Kwame, est-ce que tu m'entends ce matin? C'est une grâce. Dans la parole, c'est-à-dire quand je lis cette parole, je suis réjoui. Et puis je suis requinqué. Parce que c'est une parole d'espoir, d'espérance. Alléluia. Frère, Dieu dit, même si la mort est au pas de ta porte, il est capable d'annuler cette mort et de faire la résurrection. Frère, je ne sais pas ce que tu vis ce matin, mais il me dit, même si tu pleures parce que tu n'as rien à manger et que tu as même envie de quitter là où tu es pour aller ailleurs, pour aller chercher à manger, Dieu me dit ce matin, non, ne le fais pas, parce qu'il est Dieu. À cause de toi, il va permettre ce que tu n'as pas, il veut t'arroser et que ta maison sera remplie et que tu mangeras, tu vivras comme celui-là même qui est à côté, qui n'a pas à manger et qui regarde et qui veut faire comme toi. Frère, les gens peuvent te copier, mais ils ne pourront jamais te ressembler. Alléluia. Non, j'aime ce Dieu-là parce qu'il est véritable. Alléluia. Les épreuves, c'est des situations qui tombent. Tu vois quand ça tombe là, tu ne sais même pas d'où ça vient. Ça tombe à gauche, ça tombe à droite, ça tombe dans tous les domaines. Tu ne sais même pas par où commencer. Alléluia. Quand tu regardes, quand tu vas attaquer celui-là se lève ici. Tu vas attaquer là, l'autre se lève ici. Tu vas attaquer là, l'autre se lève ici. Mais je ne sais même pas comment faire. Frère, quand c'est comme ça, tu dis, Seigneur, mais voici les épreuves. Comment je fais? Je te la mets en tes mains. Seigneur, tu as dit dans ta parole que le malheur atteint le juste, mais toi tu en délivres. Seigneur, que tu fasses ce que tu as envie de faire. Alléluia. Des situations qui s'élèvent et tu ne sais même pas d'où c'est parti. On a dit, tu ne sais même pas d'où c'est parti. Maintenant, quand tu les coinces, mais toi-même, tu dis quoi, mais en fait? Je n'ai jamais dit ça. Quand tu vas là, mais tu, j'entends trop parler. Tu dis quoi? Non, c'est pas moi. C'est qui au juste? Tu dis quoi? Tu fais quoi? Alléluia. Frère, ton foyer là, à partir d'aujourd'hui, ferme ta porte. Ta maison, à partir d'aujourd'hui, ferme ta porte. Alléluia. Celui qui a fait rentrer,
que tu pensais que cette personne était vraiment ton, était vraiment ton, était vraiment ta, était vraiment frère. C'est cette personne qui va ouvrir la porte pour dire venez rentrer. Et il est là. Je sais où il est couché. Il, quand il veut dormir là, c'est à partir de minuit. C'est à partir de minuit, à partir de 2h du matin, vous pouvez commencer à opérer. Celui qui te détruit, il n'est pas loin. Il est en bas de ta chaussure. Quand tu marches là, celui qui voit le bas de tes pieds, c'est celui-là qui t'attaque. Mais Dieu dit, le malheur peut attendre le juste. Mais lui, Dieu, il est là, il regarde. Mais le seul jour, quand il s'élève, il délivre toujours ses enfants. Donc, bien-aimé, n'aie pas peur. Bien-aimé, ne plaît plus. C'est que tu traverses, il le sait. Il dit, le seul jour, il est en train de calculer comment il va les rassembler dans un seul endroit pour les déstabiliser, afin qu'ils tombent et qu'ils créent un tsunami. Parce qu'il est Dieu. Parce que ce Dieu-là, quand il commence, il ne s'arrête pas. C'est pour cela que je suis venu te porter cette parole de vérité. Parce que ce que tu vis ne plaît pas. Mais Dieu, il est avec toi. Dans ton mariage, si les gens te disent, l'homme-là, il est plus vieux que toi, tu dis, ça fait rien. On a vu ton mari ici. Tu dis, c'est pas grave. Je le savais. Même si tu ne sais pas, dis-leur que tu savais. Parce que quand tu as dit tu savais, ils vont commencer à parler encore. Alléluia. Ils vont commencer à imaginer encore des choses. Frère, tout ce qu'ils cherchent, c'est de te déstabiliser. Quand ils sont seuls, ils veulent que tu sois seul aussi. C'est pour ça que la vie est comme ça. Alléluia. On ne sait même pas où ils sont quittés. Ils viennent mener. Et quand ils viennent. Alléluia. Et quand ils parlent, ils finissent de parler. C'est comme ils n'ont rien dit. Ils sont là, on sait qui a parlé. Qui dit quoi? Et tu ne trouveras jamais cette personne. Alléluia. Vous voyez, quand ces paroles sortent, même si tu étais roi, même si tu étais prince, ça te réduit à un pauvre misérable. Les paroles de l'épreuve, les paroles de l'advertisseur. Regardez, la seule chose qu'ils ont vue en toi, c'est la convoitise. Il n'y a rien d'autre. Le pain que tu as porté là, c'est ça qui les dérange. Alléluia. L'homme qui marchait, qui était bien, qui aimait l'évangile, qui était zélé, qui se levait tous les matins, tous les jours, qui priait, à cause de l'adversité, à cause des épreuves, l'homme-là, il est venu mongol. Il est réduit en paille. On dit, prie. Il ne peut plus prier. Le cœur est lourd. Il est totalement lourd. On ne sait pas ce qui se passe. Les gens ont parlé. Qui a parlé? Les gens ont parlé. Qui a parlé? Personne. Alléluia. On peut rendre facilement un riche à un pauvre mendiant à cause des épreuves. Alléluia. Donc vous comprenez que un vrai enfant de Dieu passe de manière ou d'une autre par une épreuve. Il faut forcément passer par l'épreuve. Frère, si tu es rentré dans le mariage, tu n'as pas connu l'épreuve, je te donne 5 années. Les 5 années là, les 5 premières années, il faut te préparer. C'est ce que je veux dire à un enfant de Dieu. Tu peux vouloir te sentir à l'aise et t'asseoir tranquillement. Tu penses que tout se passe bien. Parce qu'aujourd'hui, c'est chez toi, c'est dans ton camp. T'es heureux, ça se passe. Et tu te moques des autres. Alléluia. C'est parce que le lion n'est pas encore arrivé chez toi. Amen, amen. Frère, laisse-les rigoler. Laisse-les rire. Parce qu'on t'a chassé de la maison, c'est pas grave. Parce que tu n'as plus un lieu où dormir, c'est pas grave. Parce que tu n'as plus de travail, c'est pas grave. Mais laisse-moi te dire une chose. Et ils croient qu'ils sont tranquilles. Peinard. Amen, amen. Mais Dieu, la Bible me dit qu'il entend, il voit. C'est que vit le juste. Mais le jour où il se lève, sa couleur est grande. Alléluia. Et il délivre toujours son fils. Alléluia. Donc frère, ce que tu traverses n'est rien. Vaut mieux connaître le lion maintenant que plus tard. Quand tu connais le lion aujourd'hui, tu sais où mettre ton pied demain.
Frère, quand tu n'as pas encore connu de lion, tu ne sais pas comment courir devant le lion. Alléluia. Quand le lion est derrière toi, parce que tu n'as jamais couru, tu n'as jamais connu un lion, donc tu ne sais pas comment on fait le pas de lion. Eh, le pas de lion, c'est comme ça, deux fois, comme ça, tu commences à courir. Parce que quand le lion arrive, il va. Et tu commences à courir. Alléluia. Mais quand tu vois les gens, on se moque de toi parce que les lions, alléluia, ils n'ont pas connu le vrai lion. Amen, amen. Donc frère, réjouis-toi. Connecte-toi à Jésus. Laisse Dieu faire. Comme on dit souvent, laisse Dieu faire ton pas-là. Mais il est ce Dieu-là qui n'oublie jamais ses enfants. Je veux dire à un enfant de Dieu, ce matin, quelquefois, vous voyez, c'est... Quand l'ennemi nous poursuit, quand l'ennemi nous attaque, en fait, il est en train de préparer une élévation. C'est dans l'oubli que l'Éternel se souvient de toi souvent. Les gens t'ont oublié parce que tu ne travailles pas. On t'a oublié parce que tu n'as plus rien. On t'a oublié parce qu'ils croient que c'est fini pour toi. Oh, ceux-là, ils ne vont plus rien faire. Frère, accepte l'oubli. Accepte l'oubli. Accepte le rejet. Accepte d'être insulté. Accepte d'être rejeté. Mais Dieu me dit une seule chose. Il se souvient de toi. Il se souvient de toi ce matin. Je dis, il se souvient de toi ce matin. Il se souvient de toi ce matin. Amen. Souvent dans les difficultés, nous voulons nous-mêmes frayer un chemin. On prend des décisions, vraiment, des décisions qui n'ont pas de relation réelle avec Dieu. On prend les décisions de ses propres voies. On croit que les décisions qu'on prend viennent de Dieu. On suit ses propres décisions. Alléluia. Alléluia. Personne ne peut déterminer dans le moment d'épreuve. Ce n'est pas dans le moment d'épreuve qu'on prend les décisions, non. Amen. Souvent, vous êtes face à une situation. Et c'est là où vous prenez des décisions. Non. Souvent, c'est des décisions que vous regrettez après. Si je savais, je n'avais pas pris cette décision. Tu aimais la sœur. Parce qu'il y a une situation, tu prends une décision de la jeter. Amen. La décision n'est pas étudiée. Elle n'est pas mûrie. Il n'y a pas de sagesse dedans. Maintenant, tu l'as laissée. 10 jours après, 30 jours après, tu te caches maintenant pour aller demander pardon. Et tu appelles, tu remues ciel et terre pour demander pardon. Naki, prends le temps. Prends le temps. Dans les épreuves, il n'y a pas de décision à prendre. Tant que le Seigneur n'a rien dit, tant que le vent ne s'est pas calmé, ne prends pas de décision. Il faut comprendre la situation pour gérer au mieux la situation. Et quand tu prends la décision, elle est ferme. C'est pour ça que je dis, la clé pour aller au succès dans les épreuves, c'est la sagesse. Sans la sagesse, nul ne peut voir la gloire de Dieu. Donc dans la sagesse, tu es calme, tu analyses, tu réfléchis et tu interroges Dieu. Tu dis, Seigneur, convainc-moi si c'est vraiment toi qui as provoqué cette situation. Ça peut ne pas venir de Dieu. Ça peut venir de ceux-là même qui te convoitent. Les jaloux, les aigris. Ça peut venir d'eux pour te pousser à abandonner ce que tu aimes. Frère, les Tobija, les Sambala, ceux-là, ils sont toujours là à regarder. Elle est devenue comment aujourd'hui là? Mais c'est comment son histoire là? Frère, c'est pour t'amener à prendre des décisions que toi-même tu vas regretter demain. Donc si tu as une décision dans l'épreuve, ne prends pas. Je vais parler à un enfant de Dieu ce matin. Certainement tu veux prendre une décision parce que tu en as marre. Certainement tu veux prendre une décision parce que tu es fatigué. Ne prends pas cette décision là. Ce n'est pas le bon moment. Alléluia. Souvent, nous oublions que nous sommes chrétiens face aux épreuves. Nous oublions que Dieu permet qu'il y ait des épreuves afin qu'on puisse glorifier Dieu au travers de cette épreuve-là. Bien aimé, dis-moi, ce n'est pas un arbre qui porte des fruits à qui on lance des pierres. N'est-ce pas? Si tu passes en dessous d'un maguey, tu es sûr que tu n'as pas entendu une pierre? Donc il faut comprendre une chose. Il faut comprendre que quand les gens te
quand il y a des épreuves, quand tu traverses des situations difficiles, il faut en conclure qu'en toi, il y a un trésor caché. C'est ce trésor caché là que les gens voient. C'est pour ça qu'il y a la convoitise. Et c'est la convoitise qui amène les gens à t'attaquer. Amen. C'est la convoitise qui amène les gens à parler de toi. Frère, quand on parle de trop de toi, ne dis pas qui parle de moi. Laisse les gens parler de toi. Parce qu'ils sont en train de faire ta publicité. Afin que Dieu te puisse te lever. Laisse les gens parler. Laisse les gens t'humilier. Laisse les gens dire ce qu'ils veulent. Mais toi, reste tranquille. Cache ta vie en Jésus. Parce qu'en toi, il y a un trésor. Et ce trésor-là qu'ils ont vu, ils ne savent pas comment faire pour être comme toi. Toi, ils vont t'attaquer. Mais frère, la Bible me dit, celui qui attaque injuste, Dieu l'en délivrera toujours. Frère, j'ai déjà ici, j'ai dit, si chacun de nous savait qui il était, il n'allait pas se négliger. Frère, ça dépend de comment tu te positionnes. Et puis les gens jouent avec toi. Si tu te prends au sérieux, on va te prendre au sérieux. Amen, bro. Si tu as une attitude de pasteur, servant de Dieu, les gens auront une attitude de pasteur. Amen. Mais quand tu es toujours dans les... Oui, c'est toi, c'est moi, c'est toi. Puis tu animes, tu crées, tu animes. C'est-à-dire que tu es cordé, l'aider, puis tu es là. Oui. Tu allumes le feu, tu es pompier en même temps. Tu passes par derrière. Et puis la personne, là où tu avais allumé le feu, tu passes par derrière. Et puis lui, il a dit ça. C'est de la même façon, ils vont te prendre et ils vont te positionner aussi. Alléluia. Amen, amen. C'est pour ça que la Bible dit, toi qui parles trop, regarde d'abord dans tes pailles. Les pailles qui sont dans tes yeux, là, tu n'as pas encore fini d'enlever. Et puis tu vas enlever celui qui est en face de toi. Alléluia. Bien-aimé, je vais dire une parole à un enfant ce matin. Rentre chez toi, prépare ta nourriture, mange bien. Cause avec tes enfants, sois avec tes enfants, vis bien. Tu as ta femme, prends-la chérie, prends-la ici. Va, promène-toi. Et sois bien avec ta femme. Sois bien avec ta femme. Alléluia. Bien-aimé, quand tu vas commencer à respecter ton intérieur, les gens, quand ils viendront, même pour s'asseoir, ils auront du mal. Amen. Amen. Frère, regardez un peu. Cette société-là, il faut la connaître. Pour la vaincre, il faut la connaître. Et il faut avoir une stratégie. Frère, quand tu viens quelque part, et puis les gens sont bien mis, sois bien mis aussi. Parce que quand tu es bien mis, et puis tu es auprès d'eux, on ne sait plus qui est qui. N'est-ce pas? On dit, tuez-le, Jésus, tuez-le. Les gens sont venus chercher Jésus pour le tuer. Mais là, ils sont arrivés, tout le monde est Jésus. C'est vrai ou c'est pas vrai? Il n'y a que Judas seul, le serpent, qui est toujours au milieu de nous et qui est parmi nous, qui entend ce qu'on dit et qui prend les prophètes ailleurs. C'est lui seul qui savait qui était Jésus. Mais pour démontrer la puissance de Dieu, quand ils sont venus chercher Jésus, les souverains sacrificateurs, ils sont venus chercher Jésus. Jésus, il a fait le miracle, il a appuyé un bouton, tout le monde était Jésus. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est pas vrai. Frère, quand tu te feras petit, on te prendra comme un petit. Quand tu mets la barre ici, là, tout le monde doit faire des efforts pour être à ce niveau. C'est pour ça que je prêche, je mets la barre haute pour les forcer à étudier. Amen, amen. Frère, ne te néglige pas. Ne laisse pas les gens piétiner ta vie. Ne laisse pas les gens piétiner ton foyer. Ne laisse pas les gens piétiner ta grâce. Si tu vends ta grâce, ils vont prendre. Alléluia. Mais frère, quand tu es ferme dans ta position, c'est dans la fermeté que le Seigneur se glorifie. Tant que tu n'as pas de fermeté, on va à gauche, tu vas à gauche. On va à droite, tu vas à droite. Finalement, tu es où? Alléluia. Lui l'a dit. Brrr. Ah bon? Mais on dit, toi, tu avais dit, non, moi, je n'ai rien dit. Brrr. Tu reviens encore. Tu es où finalement? Dis à ton voisin, tu es où? Tu te caches où? Amen, amen. Et regardez, c'est pour cela, je veux que ce matin, tu saisisses une révélation. L'opportunité de ta persécution, c'est pour préparer un
un avancement. Les gens, oui, vous ne pouvez pas avoir une élévation. Les gens sont en train de te motiver à être élevé. On te motive à rentrer dans ta grâce. Il faut qu'on te persécute pour que tu te réveilles. Amen, amen. S'il n'y a pas de preuve, tu ne peux pas te lever. Quand vous êtes en manque, vous avez beaucoup de paroles. Quand il y a le vide, il y a le manque là. On a beaucoup de paroles. Et si le Seigneur me fait ça, il fait ça. Maintenant, il crée une situation, il te donne. Ce qu'il te donne là, souvent c'est dur, c'est pénible. Pourquoi il fait ça? Il te met en épreuve. Amen, amen. Pour voir si réellement, ce que tu avais dit auparavant, quand tu n'en avais pas là, tu vas le réaliser. Et quand il permet la situation, il regarde maintenant ta position spirituelle. Est-ce qu'elle sera toujours stable ou bien comme ça? Dès lors, commence à chanceler pour descendre. Je dis, oh, regardez, homme de peu de foi. À peine je lui ai donné mariage, là, c'est fini. À peine son mari est arrivé, c'est fini. À peine sa femme est arrivée, c'est fini. Bien-aimé, ne peux pas t'inquiéter, ne t'inquiète pas. La solution au temps de l'épreuve se trouve à l'intérieur de l'épreuve même. Amen. Je m'explique. Souvent, tu as des épreuves. Soit les épreuves du mariage, dans le mariage ou dans le foyer. Amen, amen. C'est parce que dans le foyer, tu ne peux pas obéir. Et que pour toi, le fait de ne pas obéir devient pour toi une épreuve. Amen. Mais quand tu vas commencer à écouter ton mari, ce qu'il dit là, quand tu vas commencer à observer, fais d'abord et puis on discutera après. Amen, amen. Mais dès qu'il parle 1, tu commences à parler 10. Là, ça devient une épreuve pour toi. Alléluia. Très souvent, nous-mêmes, nous cherchons nos propres épreuves. Alors que ça n'a rien à voir. Ton patron arrive le matin, tout ce qu'il te demande, va lui dire bonjour. Toi, tu dis non, moi, je ne dis pas bonjour. C'est lui qui doit venir te dire bonjour. Amen. Donc, quand tu le vois, tu commences à froncer ta mine. Ça devient une épreuve pour toi. Une souffrance personnelle que toi-même tu as provoquée, ça n'a même pas lieu d'être. Est-ce que vous me comprenez ce matin? Donc vous comprenez que souvent les épreuves que nous vivons, leur solution se trouve dans l'épreuve même. Est-ce que vous m'avez compris ce matin? Frère, regardez, Marie-Josée est là, Kofi est là, ma fille Adèle est là, ma fille Suzy est là. Voici les quatre. Tous les jours quand tu viens, tu regardes ici, elles sont au complet. Maintenant, le jour là, on voit Marie-Josée qui est assise derrière. Amen. Non, j'ai appris que Suzy, que Kofi, que Adèle ont parlé de moi. Amen. Donc, vous comprenez que l'épreuve a commencé. Le problème a commencé. Qui a parlé? Qui a dit? Et puis, ma fille Josée, on l'a demandé à Suzy ou à Adèle, ou à Kofi ou à Adèle, elle va se prendre, elle va s'éloigner pour se mettre derrière. Donc, dès qu'elle voit Adèle, on a parlé. Qui a parlé? Regardez un peu. Frère, il n'y aura pas d'intermédiaire ici pour régler ce problème-là. Parce que quand tous les jours, le matin, il se mettait ici, là, et c'est un intermédiaire. Et c'est quelqu'un qui a forcé. Alléluia. Vous allez voir, dans cette situation-là, il ne peut pas avoir d'intermédiaire. Il n'y a que ma fille qui va se lever pour venir demander à Kofi, ou à Suzy, ou à Adèle. Mes soeurs, on était ici tranquille là. Qu'est-ce qui se passe? Qui a parlé? Qui a dit quoi? Non, ma fille, faisons une différence entre le rapport et puis les ragots. Je vous fais cet enseignement là. Il y a une différence. Le rapport, ce qu'on appelle un rapport, ce n'est pas Kwabatoya, non. Le rapport, c'est des faits vécus que la personne prend pour aller expliquer exactement comment c'était passé. C'est ça le rapport. Amen, amen. Mais les gens qui parlent, oui, mais on a dit que tes lunettes là sont vilaines. Quand tu tresses tes cheveux là, c'est trop vilain. Alors que ma fille est jolie jusqu'en demain. Maintenant, elle apprend ça. Elle n'aime pas qu'on touche à ses cheveux. Elle n'aime pas qu'on touche à ses lunettes. Donc c'est fini. Qui a parlé? Amen. Frère, souvent, nous avons des épreuves que nous-mêmes nous provoquons. Et quand nous sommes dans cette épreuve-là, on ne voit pas la solution, alors que la solution est entre nos mains. Alléluia. Est-ce que quelqu'un commence à comprendre les différentes vérités que je suis en train de sortir? Dès qu'il y a une épreuve, il faut comprendre que cette épreuve-là,
si elle vient à l'intérieur d'un foyer, la solution ne peut se trouver que dans le foyer. Il faut qu'entre les deux, qui est orgueilleux, qui n'est pas orgueilleux, il y a un qui doit se rabaisser. Il y a un qui doit aller vers l'autre afin qu'il y ait la tempérance. En fait, il y a la paix. Mais quand il y a deux orgueilleux, moi, il ne te parle pas. Et puis, tu es dans ton lit, tu souffres. Hein? Tu prends la nuit, tu prends la couette. Moi, il va au salon. Je vais au salon. Aujourd'hui, là. Mon fils. Hein? Je vais au salon aujourd'hui. Prêt? Oh, tout le monde va dormir au salon aujourd'hui. Amen, hein? Amen, hein? On va dormir tous au salon aujourd'hui. Amen. Elle prend sa couette, elle va au salon. Je prends le matelas, la couette, ça, on va au salon. Est-ce que ça n'a pas de solution? La solution n'est pas trouvée. Frère, ça ne sert à rien. À partir du moment où vous êtes appelé à vivre ensemble jusqu'à ce que Jésus revienne, il n'y a pas d'orgueil dans ça. Là-bas, il n'y a pas cet esprit. Hé! Hey, tu vas me priver? Pourquoi? Tu déménages et déménages. Alléluia. Donc, vous voyez qu'il y a un objectif que l'ennemi veut atteindre dans l'épreuve, dans l'adversité, n'est-ce pas, dans les troubles. Il y a un objectif qu'il veut atteindre. C'est le découragement. Amen. Bien-aimés, nous sommes très souvent opposés au découragement. Je parle à un enfant, depuis là je lui parle, il ne veut pas m'écouter, moi je suis découragé, je ne lui parle plus. Mais si tu ne lui parles pas, il va aller chercher le dégât pour envoyer, et puis c'est pour toi. Amen. Oui, quand nous acceptons le Seigneur, la sagesse du Seigneur fait pour nous des mères et des pères. Amen. Frère, je vais parler surtout à mes enfants filles, mes enfants femmes. Dans vos foyers, vous voyez souvent, vous vivez avec des personnes qui n'ont rien. Ou qui ne travaillent même pas, qui n'ont pas de papier. Qui n'ont même pas le moyen de pouvoir faire quelque chose. Mais toi, Dieu te fait la grâce. Dieu te fait la grâce d'avoir de l'argent ou de travailler. Amen. Et quand vous sortez, ou même quand vous devez faire des courses, vous préférez vous-même enlever l'argent devant les gens pour payer, alors que votre mari est là. Et il vous suit avec panier. La nuit, il doit être le bon mari. Dehors, vous voulez tenir le portefeuille. Non, tu dois faire. C'est mon mari. C'est toi qui allais me chercher. Moi, j'étais chez mes parents là-bas, tu allais me chercher. Maintenant, quand on arrive maintenant devant la situation, c'est toi maintenant qui veux montrer. Pourquoi? Il y a un problème. Bien-aimé, hey, écoute-moi bien. Tant que tu honoreras ton mari, tant que tu le feras grand, même quand il ne travaille pas, tant que tu le couvriras, parce que l'amour couvre une multitude de péchés. Donc, tant que tu couvriras ton mari, frère, quel que soit où tu vas être, cet homme-là ne pourra jamais te trahir. Parce qu'il va tout faire. Il m'a dit non. Ici, là, ma femme m'a toujours... J'étais dans le manque. Elle m'achète ma carte de transport. Elle s'occupe de moi. Elle ne veut même pas que je sois sale. Frère, il y a des femmes qui sont totalement intéressées, imbues de leur personne. Qu'on veut... C'est-à-dire qu'il faut que ce soit elle seule qu'on regarde. Tu n'iras pas loin dans un foyer. Il n'y a aucun homme sur cette terre-là. Sauf s'il est milliardaire et puis il ne fait pas attention à ce qu'il dépense. Mais ça aussi, tu vas voir que c'est parce qu'en toi, il y a quelque chose qui l'intéresse. Il y a une étoile en toi qui l'attire. C'est pour ça qu'il débloque sur toi. Mais en réalité, l'amour ne s'échange pas. C'est parce que l'autre est dans le manque que tu donnes. Cela ne veut pas dire que tu es en train de l'acheter. Faux. Alléluia. Bien-aimé. Si tu étais dans cette position, vous commencez à la changer. C'est pas bon. Amen, amen. Alors, je veux simplement ouvrir cette parenthèse pour expliquer à un enfant de Dieu pourquoi le mariage ne vient pas vers toi. Le mariage ne vient pas vers toi parce que tu as un problème. Tu as la cupidité avec toi. Et donc, ça devient une preuve. Parce que pour toi, dans ton subconscient, dans ta conscience, c'est l'homme qui doit tout faire. Faux. Aujourd'hui, les mentalités sont en train de changer en Afrique. Pourquoi c'était... Hey, écoutez-moi ici.
Pourquoi nos parents avant faisaient ça? Parce que nos mamans comprenaient, ne savaient ni lire ni écrire. Donc elles ne savaient rien faire. Mais ce qu'elles faisaient comme travail, dans les travaux ménagers là, c'était énorme. Donc il avait pour devoir de s'occuper d'elle. Mais ici, toi tu cours le matin, je cours aussi. Et on va revenir à la maison, il veut que c'est moi qui fasse tout. Vice versa pour l'homme. Quand un homme est comme ça, ça c'est pas un homme. Non, non, non. Il faut le virer direct. Ça là, c'est la méchanceté. C'est presque la sorcellerie. Amen. Non, la femme te fait à manger. Elle s'occupe de toi. Elle prépare tout à la maison. Mais toi, ton argent là, tu dors à elle ça. Non, 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 non. Hey, bien-aimé, frère, tu dois amener ta femme à avoir un cœur en joie. Tu dois l'amener au restaurant de temps en temps. Oui. Bien-aimé, le classique, attendez un peu. Le classique, là, ça tue l'amour. Le classique tue l'amour. N'est-ce pas? Frère, regardez, simplement une simple balade. Chérie, viens, on va sortir un peu. Dans balade, là, vous parlez, ça détend. Quand tu vois que le prof est en train de venir, commence à préparer un 50 euros pour créer un restaurant. Amen. Amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Je vais finir par ce dernier point. Regardez Moïse. Moïse devait rentrer à la terre promise. Il a conduit ce peuple-là jusqu'à... Je suis ici, et puis je vois la terre promise là où il y a le caméraman, mon fils. Et Moïse ne peut pas rentrer. Pourquoi? Tellement le peuple d'Israël l'a humilié, rejeté, calomnié, insulté. Il en avait marre. Souvent, vous avez des enfants, mais qui vous font tellement mal que vous avez envie de tout abandonner. Vous êtes découragé, même pour vouloir prier, même pour donner une seule révélation, c'est difficile. Tellement vous avez mal. Regardez, comment on peut faire changer l'orientation de Dieu sur la vie de quelqu'un. Vous voyez que Moïse lui seul conduisait une multitude de peuples. Et quand vous allez lire Exode 17, versets 8 à 12, vous allez comprendre. Dieu a dit à Moïse, il dit, prends ta verge, va par le rocher. Qu'est-ce que Moïse a fait? Il a frappé le rocher. Mais vous savez pourquoi Moïse a frappé le rocher? Les gens disent que c'est parce qu'il était dans la désobéissance, c'est faux. Ce n'était pas une désobéissance. Moïse était découragé. À cause de la langue. La langue là. C'est ça la cause. Les gens parlent trop. Ça fait que ça décourage les gens. Alors qu'ils sont à la limite de leur grâce. Ça parle, ça parle, ça parle, ça parle. Découragé. Moïse, au lieu d'aller parler au rocher, paf, il a frappé le rocher. Dieu dit, comme tu n'as pas cru en moi et que tu ne m'as pas glorifié devant le peuple d'Israël, alors tu ne verras pas Canaan. Frère, le murmure de l'autre peut t'éloigner de la grâce de Dieu. Amen. Qu'est-ce que Dieu n'est pas capable de pouvoir faire ici à Bethesda? Qu'est-ce qu'il n'est pas capable? Alléluia. Amen. Qu'est-ce que Dieu n'est pas capable de révéler ici? Ici là. Qu'est-ce que vous cachez même? Vous cachez quoi? Il dit à Dieu, maman Nicole, lève-toi. Je rentre hier, ce qu'elle a fait. Dieu peut me révéler ça. Je peux lui parler. Mais des fois, on n'en a pas besoin. On a besoin de la parole. Pour nous aider à grandir. Regardez Moïse. Il n'a pas vu Canaan. Lui qui a souffert. Il n'a pas vu Canaan à cause de bavardage. Asia, comme tu dis ma fille, tout en yérelé, la langue là, un poison rempli de venin. À cause de ça, les gens ne peuvent pas voir Canaan. Les gens sont là. Canaan est ici, à Bethesda. Frère, tant que tu écouteras ces gens-là, tu vas limiter ta grâce. Alors que quelqu'un était en train de faire un plan de mariage sur toi. Mais parce que tu l'as écouté, pas t'es sorti. Et ton mariage a annulé. Et tu as tout perdu. Oh.
Acclame le Seigneur ce matin. Le pouvoir de la langue, la force de la langue, tu vas voir. La langue, Jacques, 5, Jacques 3, verset 5 à 10. N'est-ce pas? Donc, le découragement, vous voyez, les gens utilisent la langue pour vous mettre dans vos cœurs le découragement. Jacques 3, 5, 10. Jacques 3, 5. Verset 5. De même, la langue est un petit membre, oui, et elle se vante de grandes choses. Oui. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. Oui. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps, oui, et enflammant le cours de la vie, mm-hmm, étant elle-même enflammée par la géhenne. Oui. Toutes les espèces des bêtes et d'oiseaux, mm-hmm, des reptiles, oui, et d'animaux marins, uh-huh, sont domptées et ont été domptées par la nature humaine. Oui. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. Aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut c'est réprimer. C'est un mal qu'on peut réprimer. Qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin elle mortel. Elle est pleine d'un venin mortel. Vous avez compris maintenant? D'où est parti le découragement qui a fait que Moïse n'a pas vu Canaan? Ce n'est pas parce qu'il a désobéi à Dieu, non. Mais c'est à cause de la langue du peuple d'Israël. Et là, on a dit, marchez ainsi, eux, ils veulent marcher. Il dit à Moïse, nous, on marche comme on veut. Moïse s'est fâché. Et il était découragé de guider ce peuple-là. Il dit, bon, c'est comme ça. Et vous allez voir, quand vous allez continuer la lecture, au moment où Dieu lui disait de parler au rocher, il dit, vous là, n'est-ce pas là le rocher? D'où va sortir l'eau que, où Dieu me demande de parler? Voici le rocher là maintenant. Buvez l'eau là. Vous avez compris maintenant? Le découragement à cause de la langue pendante, à cause des épreuves. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame fort le Seigneur.